Comment vendre sur Udemy? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble des stratégies pour vendre sur la plateforme Udemy. Udemy, c'est une marketplace de formation. Vous arrivez, vous pouvez mettre vos cours en ligne et puis Udemy va les référencer pour vous. Si vos cours sont de bonne qualité, Udemy les mettra en avant et donc vous aurez des clients gratuitement, tout ça apporté par Udemy. Udemy, il faut le voir comme un apporteur d'affaires. Il amène des clients sur vos cours. Si vos cours sont bons, vous allez faire des ventes. Sur Udemy, j'ai pas généré une fortune, j'ai généré 600$ sur le compte que je vais vous montrer et plus de 2500$ sur un autre compte que j'avais auparavant. N'empêche que c'est très intéressant puisque ça permet d'avoir des clients et des prospects gratuitement. Donc je vais vous montrer ça, on va aller directement sur mon écran et je vais vous donner des stratégies pour vendre sur la plateforme Udemy. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Ecom French Touch. On se retrouve juste après l'intro. Ok, donc là, vous voyez, on est sur mon profil public Udemy. Donc, on va regarder un peu ce que moi j'ai fait sur Udemy, combien j'ai généré et ensuite je vais vous expliquer comment vous pouvez faire pareil. Donc, vous voyez ici, Roman CZ, ingénieur et passionné de business en ligne. Je vous délivre ici tout mon savoir-faire. Je suis partenaire Shopify et gère la plus grosse communauté business en ligne de Facebook. Avec moi, vous allez apprendre comment trouver des opportunités de vente, mettre en place une stratégie pour votre business internet et développer vos compétences en ligne. Sur mon profil, vous trouverez des formations business à des prix très abordables pour une qualité extraordinaire. À bientôt de l'autre côté. Donc les cours, vous voyez que j'en ai 9 pour l'instant. Vendre ses services avec le site 5€ qui cartonne bien. J'ai les 5 piliers d'une boutique dropshipping rentable que j'ai fait avec Raphaël. Moi, j'ai fait la partie vente, j'ai pas fait la partie dropshipping. Blog machine, créer un business en ligne rentable. J'ai Snapchat machine, Twitter machine, Mail machine, un TPE mastery et LinkedIn cash generator. Donc tout ça, c'est des formations que je viens de mettre sur Udemy. Alors, on va regarder un peu combien ça rapporte. Forcément, ça va vous intéresser. Donc on va se rendre ici sur cet aperçu. Donc vous voyez, revenu total 678$. C'est pas une fortune, mais en toute honnêteté, j'y passe absolument 0 minute par mois. C'est-à-dire que j'ai mis mes cours, j'y vais plus. J'y vais plus du tout. Maintenant, j'ai même un assistant qui met mes nouveaux cours sur Udemy. Donc autant vous dire que c'est une des rares fois où je me connecte sur Udemy, mais c'est intéressant. Je me connecte par contre pour une autre chose que je vous montrerai après. Comment ça fonctionne? Vous voyez, j'ai relancé Udemy il y a pas très longtemps. J'avais arrêté en fait pendant une période. Donc ici, j'avais fait une formation sur Udemy qui était descendue. Là, j'avais plus rien fait du tout, puis j'ai commencé à remettre des trucs. Puis voilà, il y a quelques revenus. Le mois dernier, j'ai fait 75$, c'est peu. Et d'un autre côté, c'est pas mal vu que c'est gratuit. Mais moi, je mise beaucoup sur une stratégie de contenu gratuit. Je vais vous expliquer. Si je vais dans participation en cours, on voit que j'ai 453 participants actifs, 21 000 minutes enseignées. On va regarder les participants juste ici. Voilà, donc dans tous les cours, j'ai 1704 participants. On peut voir un peu la carte, on voit qu'ils viennent de France, du Maroc, de l'Algérie, Belgique, Canada. Donc c'est assez intéressant, des gens qui viennent de beaucoup d'horizons. Et dans les cours que j'ai juste là, on voit mes différents cours, hop, juste ici. Donc ça, je vous l'ai déjà montré. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ce cours-ci est gratuit et m'a ramené 45 inscriptions ce mois-ci. Donc il y a des gens qui voient mon contenu gratuitement. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ils laissent leur email et moi, je vais pouvoir les relancer derrière. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc comment est-ce qu'on fait sur Udemy pour vendre ces formations? Alors c'est assez simple. Ce que vous allez faire, c'est que tout simplement, vous allez vous créer un compte sur Udemy. C'est très facile, hein. Donc là, je vais repasser en vue profil public. Voilà, donc juste ici, je vais retourner sur Udemy. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous vous créez un compte sur Udemy. Après, vous allez cliquer en haut à droite, là, donc vous voyez juste ici. Et vous allez pouvoir tout simplement choisir de faire un compte formateur. Alors, je m'emmêle les pinceaux, je retourne sur Udemy, profil public. Udemy. Donc, il y a deux Udemy en fait. Il y a le Udemy pour les acheteurs si vous achetez des formations et il y a le Udemy pour les vendeurs si vous vendez des formations. Donc, vous allez cliquer en haut à droite et vous allez cliquer sur tableau de bord du formateur. Donc, vous allez pouvoir vendre vos cours directement dessus. Alors, sur Udemy, il faut savoir qu'il y a des cours, mais c'est des folies quoi. Par exemple, celui-ci, il a 19 000 critiques. 19 000. Ça veut dire que vous faites un petit calcul, 19 000 fois 15$ minimum, parce qu'il a eu 19 000 avis, mais il y a des gens qui ont gardé, qui n'ont pas laissé d'avis, c'est une somme phénoménale. Il y a des gens, ils ont pris plus de 200 000$ avec un cours Udemy. Bien évidemment, c'est rare, il faut que ça fonctionne, mais vous pouvez. Comment est-ce qu'on met un cours sur Udemy? C'est assez simple, je vous l'ai dit, vous créez un profil formateur et à partir de là, vous allez tout simplement cliquer sur « Mes cours » en haut et vous allez pouvoir créer un nouveau cours. Voilà, aussi simple que ça, vous pouvez créer les cours que vous voulez. Donc ça, c'est les cours que moi, j'ai achetés par exemple. J'achète beaucoup de cours sur Udemy, je trouve ça vraiment pas mal. Donc, on va retourner dans le tableau de bord du formateur. On va aller ici dans « Cours », vous voyez. Et donc, ici, vous avez un petit bouton « Nouveau cours ». En cliquant sur « Nouveau cours », vous allez pouvoir mettre votre cours en ligne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est extrêmement simple. Ça vous prend quelques minutes, vous chargez les vidéos, vous créez la page de vente et ça tourne tout seul. Je vais vous donner quand même quelques conseils vis-à-vis de ça. Donc, si on regarde un peu les cours que moi j'ai, on va prendre par exemple
utiliser Messenger. Il y a plusieurs choses, hein. Donc là, ça c'est comment j'ai uploadé le cours. Donc vous allez cibler vos participants. Donc que vont apprendre les participants à inscrire à votre cours? Donc vous le mettez. Y a-t-il des exigences ou prérequis pour avoir ce cours? Vous allez mettre le programme. Donc c'est là où vous allez charger les vidéos. Donc vous voyez, moi j'ai 21 vidéos dans ce programme. Ensuite, la page d'accueil du cours, là ça va être extrêmement important. Il y a plusieurs choses à maîtriser. Première chose, c'est que vous allez utiliser un titre qui soit intéressant. Utiliser Messenger pour exploser son business en ligne. Voilà, ça y va fort. Sous-titre, utiliser ManyChat pour son business. Dans la description du cours, vous allez blinder de mots-clés. Donc ManyChat est un outil, Facebook. Donc vous mettez le plus de mots-clés possible. Information générale, français niveau débutant. La vignette, extrêmement important, faites une belle vignette. Faites pas comme moi avec cette vignette qui est vraiment moche. Je vous conseille de faire une vignette et de faire une vidéo promotionnelle. C'est vraiment super important. Parce qu'il y a des gens qui sont plus images, il y a des gens qui sont plus vidéos. En ayant les deux, vous maximisez les chances d'avoir des ventes. Ensuite, les sous-titres et les commentaires, on s'en fiche. La tarification, c'est quelque chose qui est important. Moi, je le mets à 99€, tout simplement parce que quand Udemy fait des promos, c'est là où je fais le plus de ventes. Donc, je laisse Udemy gérer la tarification et par défaut, il est à 99€. Les promotions, ici, vous pouvez tout simplement créer des codes promo, messages du cours, vous pouvez créer des messages, disponibilité et les participants. On voit un peu qui sont les participants à ce cours. Il n'y en a pas eu tant que ça. Mais voilà, ça, c'est une première chose. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour vendre? Les cours qui sont sur Udemy, vous pouvez les partager sur des groupes Facebook, vous pouvez les partager partout. Il faut savoir que sur Udemy, il y a un très beau taux de transformation. C'est-à-dire que si vous vendez votre cours vous-même, les gens ils vont se dire, est-ce que c'est une arnaque, etc. Quand c'est Udemy, c'est une entité pro dont les gens ont confiance et donc les gens ont plus tendance à dépenser sur Udemy. Je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment excellent. Si vous faites une formation gratuite sur Udemy, vous pouvez très facilement la partager partout sur tous les réseaux. Vous pouvez dire, dans un groupe Facebook, j'ai une formation gratuite, venez la prendre. Tout le monde va prendre votre formation. Elle est gratuite. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans Udemy et vous allez aller dans annonces. Vous voyez ici sur annonces, on peut écrire une annonce juste là. En fait, ce que ça veut dire, c'est que sur Udemy, vous n'allez pas avoir les mails des gens qui ont pris votre formation gratuite. Mais par contre, vous allez pouvoir envoyer un mail à tout le monde. Donc, Udemy garde les emails, mais vous pouvez envoyer via Udemy. Du coup, 4 fois par mois, vous pouvez tout simplement écrire un email promotionnel. Donc, si je clique ici sur écrire, vous voyez, sélectionner tous les cours admissibles, je peux choisir tous les cours. Ici, j'ai bien mon cours créer un business en ligne rentable avec système.io qui est un cours gratuit. Donc, je l'ai diffusé gratuitement, j'ai récupéré les mails de tout le monde. Udemy a récupéré et moi, je peux envoyer. Donc là, tout simplement, je peux mettre un titre, un contenu et je vais pouvoir envoyer soit vers ma chaîne YouTube, soit vers un opt-in mail pour récupérer les emails qu'Udemy a et ne veut pas me donner, soit je vais envoyer vers une de mes formations, etc. Donc ça fonctionne très très bien et clairement vous allez pouvoir vous éclater vu que vous allez avoir des mails gratuitement amenés par Udemy tous les mois. Donc ça c'est juste excellent. Au niveau des gros vendeurs sur Udemy, ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a des gens, c'est des machines de guerre sur Udemy, n'empêche qu'il reste des petites niches et il reste des endroits où vous allez pouvoir vendre. Avec la stratégie de je fais une formation gratuite, je la mets en ligne gratuitement sur Facebook, tout le monde rentre dans la formation, ensuite je fais une formation payante sur Udemy et je renvoie les gens de la formation gratuite vers la formation payante, vous ferez des ventes. Et ça c'est vraiment bien parce que vous allez avoir une base client gratuitement. Avec une formation gratuite, c'est extrêmement facile de faire rentrer 100, 200, 300 personnes en une journée. Donc il faut bien comprendre que c'est une aubaine énorme pour avoir beaucoup de monde. Je voulais vous montrer une dernière chose également. Ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner sur mon profil public, je vais retourner sur Udemy. Donc, pourquoi est-ce que des formations sont bien classées sur Udemy? Tout simplement parce qu'ils ont des avis. Plus vous avez des avis, plus vous allez être référencé dans la plateforme Udemy. Donc, dans votre cours, n'hésitez pas à faire une vidéo où vous demandez aux gens, si le cours vous plaît, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, s'il vous plaît. C'est super important. Donc, Udemy, pour moi, ça va être une des sources de revenus que je compte augmenter dans les mois à venir. J'ai mis un assistant dessus. Je suis en train de créer des cours exprès pour Udemy. Et le but, c'est d'aller titiller un peu les gros vendeurs de la plateforme et créer une nouvelle source de revenus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris comment vendre sur Udemy. Surtout, n'hésitez pas, c'est vraiment très très simple et en quelques clics, votre cours est en ligne et vous êtes prêt à vendre. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Ecom French Touch et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !